Comment ça fonctionne? Eh bien, au cours des derniers jours, j'ai ça sur mon balcon, j'ai des petits sacs comme ça remplis, et toutes mes reliefs de repas, finalement tout ce qui allait dans ma poubelle traditionnelle, eh bien, maintenant j'ai une application téléphonique. Ok, ça va déverrouiller là. Voilà, hop là. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour ce prochain jour. Le plus gros budget de la ville, c'est le budget des déchets ménagers. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend des déchets qui sont à 70% d'eau et on les brûle pour en faire de la fumée. C'est complètement stupide, alors que là, ce sont des végétaux. Et quand on est à la campagne, tout ce qu'on a pris de la terre, on le remet à la terre. Donc nous, on a la chance d'avoir les bornes vraiment aux côtés de chez nous. Donc on vient un petit peu à la demande, quoi. Dès que le sac est plein, on vient le déposer. Voilà. On a carrément adhéré au projet et comme c'est hyper simple à mettre en place et utilisable directement en fait. Voilà, le côté pratique, de venir à la borne déposer son sac quand il est plein, c'est vraiment facile en fait. Voilà, il faut quand même faire une démarche d'inscription pour être reconnu comme utilisateur de la borne. Mais après, on est libre d'utiliser toutes les bornes du quartier. Avec cette petite clé, on ouvre à l'avant, on ouvre la porte, on enlève le bac et on en remet un autre propre à la place. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est le produit fini, c'est le compost. Aujourd'hui, on a deux enjeux générationnels, la question de la biodiversité, la question du réchauffement climatique, et on souhaite remettre la matière organique qu'on a utilisée à l'endroit où elle doit être, c'est-à-dire sur le sol. Et le sol, c'est un des gros stocks de carbone organique. Si on redonne vie au sol, on participe à ces deux enjeux, biodiversité et réchauffement climatique. Pour l'instant, il y a un seul quartier du 13e qui est concerné avec 5 bornes. Et c'est évidemment très pratique pour les gens qui habitent ce quartier. Mais ça nous permet de voir très concrètement sur un quartier du 13e arrondissement comment les choses se déroulent, comment elles se passent. Donc, les résultats sont plutôt très bons d'ailleurs, parce qu'on s'aperçoit que le tri est bien fait. Et de manière très régulière par toutes les personnes qui ont souhaité adhérer à ce processus.